stupid Pococo. Salut à tous, c'est Megiddo. Nous voici donc pour Conker's Bad Fur Day sur Nintendo 64. Oui, je laisse de côté pour le moment Fahrenheit, parce qu'en fait, j'ai fait un petit concours. Il y a mon deuxième concours secret sur cette fois sur Facebook. Et en fait, j'attendais d'atteindre les 250 amis sur Facebook. Oui, oui, que 250. Ben moi je suis pas comme certains comme genre du grenier ou d'autres qui peuvent atteindre les 5000 en claquant des doigts. Donc je me suis dit dès que j'atteindrai 250, je proposerai donc au 250e de choisir le jeu qui voudra. Et il avait choisi donc Soleil. Malheureusement Soleil je l'ai déjà fait. Et donc là il a choisi donc à la place Conker's Bad Fur Day. Donc c'est le premier jeu que je fais sur Nintendo 64 parce que avant je faisais pas trop puisque les émulateurs Nintendo 64 sont pas terribles terribles. Et donc je vais tester pour une fois donc un jeu 64. Conker's Bad Fur Day, que dire pour ça, c'est un jeu rare, c'est à eux qu'on doit les Donkey Kong Country, Donkey Kong 64, GoldenEye. Donc ce jeu est sorti en 2001. À l'époque il est passé assez inaperçu et maintenant comme il est assez recherché donc il code pas mal, donc c'est pour ça que je vous ai pas fait une petite vidéo en présentant la cartouche ou quoi. Mais il faut savoir que Conker, le petit écureuil, n'est pas à son premier jeu, puisque la première fois qu'on l'a vu c'était en 97 dans Diddy Kong Racing, où il était un personnage jouable. D'ailleurs c'est petit, regardez un coup derrière option, vous verrez la tête de Banjo empaillé, ça me fait marrer ça. D'ailleurs, ça, je pense que c'est pas une référence à Grim Fandango, enfin un jeu du Cassart. Donc, comme je disais, le jeu donc, c'est sorti en 2001, mais à l'origine, il y avait déjà un jeu Game Boy Advance sorti en 99, et puis par la suite, on aura un remake sur Xbox en 2005. Donc, là, il y a l'évolution, il n'y a pas grand chose. Là c'est le chapitre, les différents sauvegardes, le mode multi. Bon, hop, on va commencer le jeu. Bon, on va faire un new game, parce que de l'autre côté j'ai déjà fait un... J'ai déjà essayé en fait, j'avais déjà enregistré la vidéo, mais le problème c'est que j'ai eu un problème de son, donc j'espère que là j'en aurai pas. Ouais. Ouais, j'ai un petit... Les options bug un peu. Bon, on peut pas couper là, donc je vous laisse la vidéo. Conker and Gary, je sais même plus qui c'est, je sais même pas qui est Gary. Faut dire que Conker, c'est un jeu que je connais de nom, mais je n'ai jamais réellement joué, quoi. Ouais, ça manque à ma culture vidéoludique. Faut savoir qu'à l'origine, ça devait être un jeu mignon, gentil, tout plein. Et comme en fait, ça a pas trop plu au public qu'elles ont présenté le jeu, ils ont décidé donc de faire une version la plus trash, la plus vulgaire possible. C'est comme ça qu'ils ont atteint le jeu, qu'ils ont sorti le jeu. Et d'ailleurs, à l'époque où il est sorti, beaucoup pensaient que c'était en fait, une farce, quoi, une blague, un poisson d'avril. Et non, ce jeu est vraiment sorti. D'ailleurs, chose assez marrante, c'est que le jeu est entièrement doublé en anglais. Comme ça, à l'époque, on critiquait souvent les cartouches 64, dire qu'il y avait moins de capacité que les CD de la Saturn, de la PlayStation.
Et là, ça prouve bien le contraire. It all started yesterday. What a day that was. It's what I call a bad fur day. Donc, à ce que j'ai compris, c'est Conkers est allé saouler dans un bar. Et il est parti tellement bourré qu'il s'est perdu en route. Et il s'est retrouvé dans un royaume qui n'était pas sien. Et un... Comment dire? Et il y a un roi qui va chercher un écureuil parce qu'on lui a dit que quand il manquait un pied à une table, il a décidé de mettre un écureuil à la place. Ce sera un peu bizarre. Ah bah c'est Elberry en fait. Ça doit être sa copine donc. Allez hop. Oh, c'est énervant parce qu'on veut pas couper les cinématiques. J'appuie sur tous les boutons que vous pouvez. Je trouve que sa copine ressemble plus à un lapin qu'à un écureuil. D'ailleurs, ce jeu, je le connaissais surtout, c'était pour la fameuse scène qui reprenait l'intro de Fausse Soldat Ryan. Notez derrière le logo des musiciens, je serais appelé un peu le logo des Beatles. Allez. Bon, ce jeu, c'est surtout une découverte, hein. Bon, le point, c'est que les cinématiques avancent, ça me confond un peu, hein. Ça serait... Allez. Ah, c'est par là, allez hop. Les deux cinématiques sont longues. Sauf que les cinématiques sont tellement longues, je crois que le premier niveau. Allez, encore une cinématique. Sérieux, on est à combien de minutes là, de cinématique? Je suis sûr que ça fait la forme à 10 minutes que je joue et tout est cinématique. C'est chiant. Elles sont longues les vidéos. Pourquoi ça m'énerve ça ces jeux comme ça où on a des cinématiques à rallonge et on peut pas les couper? Oh, ça me gonfle, mais d'un point! Allez! Allez, vas-y! Ça y est, c'est bon. Je peux jouer. Voilà, encore un petit peu graphique. Je peux prendre pour faire un écran pour dire qu'il est bourré.
Allez. Non. Je crois que c'est le seul jeu que je connais où on a un écureuil bourré, quoi. Allez, hop, allez, je cherche. On se sent rien ici. On peut même pas sauter rien, hein. Allez. Bon, j'avoue que je me suis un peu entraîné, j'ai essayé un peu de faire le premier niveau, donc je sais à peu près où il faut aller. Je vous dis pas, quand j'ai essayé, ça m'a pris une heure pour faire le premier niveau. Allez, encore. Allez, encore un groupe. Comme cinématique, ça m'énerve, il y en a trop. Je dis pas que c'est pas utile dans un jeu, mais le problème c'est que quand ils en remettent à rallonge et qu'on peut pas les passer, c'est assez énervant. Et on est là pour jouer, pas pour mater un film. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui m'énerve dans les jeux récents maintenant, c'est justement ce côté tout. Tous les tout ce côté cinématique qu'ils font dans des jeux, mais non, c'est-à-dire tu fais un pote, une cinématique, tu fais un pote, une cinématique, tu fais un pote, une cinématique. Ça, c'est un truc qui dit venir dans les jeux récents. Ah, d'accord, après, sur la case, allez, hop, avance. En plus, il y a une seule voix épouvantable. Ce jeu serait peut-être excellent s'il n'y avait pas toute cinématique qu'on pourrait jouer simplement, quoi. On n'a pas tout ce bordel, par exemple, dans Mario 64 ou dans Donkey Kong 64, c'est pareil, on n'a pas tout ce bordel de cinématique à rallonge. Bon, surtout qu'en plus tout est en anglais, donc j'ai la peine de traduire. On va être enfin débourré, ça va être bien. Ah voilà, on a enfin des curés corrects. Allez. Écoute-toi, putain. Saleté d'écureuil. Une fille. Ah, mais non, il s'y cure. Zélium. On prend pas les trucs. C'est bon, il est endormi. Hop, ah bah là, sérieux. Allez. Ça me gonfle, ça, c'est une papote tous les 5 minutes. Allez, grouille-toi. Ah, ça m'énerve ça, c'est en plus, j'ai l'impression, c'est en fait, je crois que dans un niveau tutoriel, c'est le genre de truc que je déteste dans les jeux récents.
C'est les jeux où on nous explique tout ce qu'il faut faire. Ça me gonfle. Moi, je suis là pour jouer à un jeu, pas pour apprendre à jouer. Et puis, on a le manuel de la cartouche pour ça, non? Allez, hop, 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 vous y arrivez. On court. Pas trop vite, sinon on peut tomber. Et hop, ça me fait un peu penser à la tête, dans la façon qu'il a de voler, là. Allez. Voilà. Encore du dialogue. Ça me fout là-dessus. Je m'intéresse, hein, mais bon. Je dis pas qu'il est mauvais, il est même sympa, mais bon. Et puis il a une bonne réputation, donc si tu dois pas être si mauvais que ça. Mais sérieux, tout ça, faire un niveau de tutoriel, c'est saoulant, mais d'une force. Moi, j'espère que les prochains niveaux sont meilleurs, mais bon, je trouve que je les verra pas, parce que vu la longueur qu'on a là, rien que pour le premier niveau. Voilà, allez, hop, on tombe par là. Et voilà, hop, et on y va. D'ailleurs, je suppose, en tout cas, j'essaie de trouver la cartouche pas trop chère, sinon j'essaierai ces deux. C'est de trouver enfin le remake sur Xbox. Oui, je suis sûr, j'ai compris, allez hop. Ah, carrément, il va coup de poêle, allez hop. Salut. Allez hop. Juste avoir son cette porte servir à autre chose. Viens là, salpe. Viens là. Allez, les angles de caméra sont chauds, vous sentez. Allez hop, on continue. Allez hop. Oh le con. Non. On a retapé tout le trajet, ça m'énerve. Allez, hop. Voilà, ça s'est passé, hop. Ça m'énerve, ça. Une boue comme ça où on peut se casser la gueule pour un rien. Voilà, allez hop. Merde, mais pourquoi il tient pas sur ce tronc d'arbre? Oh, ça m'énerve. Allez. Je penserais faire le premier niveau facilement. Quand je me suis entraîné, j'avais galéré ici et là je crois que je galère encore. C'est-à-dire que c'est un jeu que je connais pas du tout, c'est-à-dire que je connais que de nom, que de réputation donc. D'ailleurs je sais même pas si c'est le bon truc que je fais parce que j'avais même pas fini le premier niveau quand je l'ai essayé.
que j'arrêtais pas de chuter ici en fait. Allez hop. Voilà, allez hop. Ah voilà, j'ai réussi à passer. La tronche. Ah, je vais retomber. Ah, c'est un rocher qui peut entrer maintenant. Comment on va faire pour y aller? Ah, là-bas, c'est le champ, donc c'est mieux pour y aller. Allez, hop, j'y suis. Oh non! Oh le con! Heureusement, ça va, là, je suis pas retombé trop bas. Allez. Voilà, on tourne. On remonte sur le rocher. Allez, tout le monde, sa petite caméra. Ça, c'est un truc qui m'énerve dans les jeux. Plateforme 3D, c'est toujours les caméras qui merdouillent. Voilà. Oh, il va franco de lui. Allez. Voilà, explosion. On va en finir le premier niveau. J'espère qu'on a fini. Ah bah il semble que ouais. Encore une cinématique super longue. Donc je sais pas si je fais le niveau suivant ou pas parce que là la... Si la vidéo est trop longue, je laisserai tomber là quoi. C'est un jeu intéressant mais bon... Faut aimer, bon pour le moment le premier niveau est pas top. J'espère avoir des bons niveaux pour la suite, mais moi ce qui m'énerve c'est que j'aimerais c'est pouvoir passer ces satanées vidéos. Oh. I have a job for you. As you can see. Pareil, c'est si je fais quitter je vais revenir au niveau d'origine. Au début, donc je crois que c'est pas la peine. Ouais, donc. Allez. Quoique le méchant il me fait assez penser à un personnage à la Disney, quoi. Ah, ça fait très. Sa tête, on dirait la caverne aux merveilles d'Aladin. C'est marrant, quoi. Pareil, la fouine, on dirait une fouine de qui veut pas de Roger Rabbit. En tout cas, les petites références sont pas mal. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il me fait penser à Davros dans le Docteur Who. Méchant, le savant fou. Là. J'ai pas la tête de nounours derrière empaillé là avec des écrans et tout. Voilà, c'est bon, la vidéo est finie. Ouais, chocolat. Oh,
Oh, quand c'est cinématique. Oh, que c'est chiant. Allez, bougez-vous. Je sais pas trop ce qu'il faut faire, fini. Allez hop, on continue. Pour une vidéo. Alors, it's me again, Mr. Scarecrow Birdy. Right, what seems to be the problem? Oh yeah. Ça me saoule. Vous avez l'air pas mal, mais c'est ça qui me saoule, parce que tout c'est une cinématique à rallonge. Hey, question. How much? Moi je suis là pour jouer, je suis pas là pour regarder un dessin animé. What? L'épouvantail, il me rappelle assez, c'est l'épouvantail qu'on avait dans Majora's Mask, le deuxième Zelda de la 64. Un peu de chocolat. Ah, maintenant on a une barre de vie, alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai remarqué on avait pas de barre de vie. Je peux pas échanger si ça t'est fait. Ça t'est resté par là, allez hop. Ah, je vais remplir tous mes carrés de chocolat les uns après les autres comme un con. Piquer du... Allez, faut produire le miel. Allez, dépêche-toi. Ils auraient fait un piqué. Et j'ai plus de carré de vie. J'ai moins plus qu'un carré de vie, je crois que je vais tout crever. On peut rentrer dans la ruche? Ah non. Ah le con. Parce qu'on se crevait ici, parce que... Allez... Autant le premier niveau était simple, ici, là, on commence à avoir des points du tout ça, ça devient galère. Ah d'accord, je ne comprends pas. Allez, go toi, allez. Ah non, je suis mort. On est où ici? Je découvre. Je suis mort, j'ai compris. Ah, c'est ça la mort en fait qu'on va y dans... la voix pourrie de la mort. Right.
My name's Greg. The Grim Reaper. Don't laugh. Aren't you a little sharp to be a Grim Reaper? Well, how many Grim Reapers you met before, mate? What am I supposed to look like? Yeah, that's a good point. Woman. Now, let's see. Aye. Conker. Hey, you don't want an écran de remover. The squirrel. The... Oh, bloody hell, you have to be a stubborn squirrel, wouldn't you? Why, is there a problem with that? Well, yes, there is, actually. But those bloody cats, such a pain in the ass. You're one of these special cases. Oh, really? Yep. Apparently, according to the powers that be, I'm just doing my job. I do what I know. I don't even get paid very much. Apparently, squirrels can have as many lives as they think they can get away with. Oh, I see. So I'm not sick. En même temps, on peut pas le passer sans munir. Right. Well, I'll be up then. Just you wait, smartass. Don't get out of it that easily. Now, the thing is, you may not be... Ah, c'est encore une fois sans faire chaque forme. That doesn't mean you can't die. You just have a few more... Est-ce qu'on pourrait se quitter là-dessus parce que ça commence déjà à être long et... En une demi-heure, j'ai même pas fait 5 minutes de jeu, quoi. Peut-être 10 minutes à tout casser. Les vidéos sont trop longues dans le jeu, ça m'énerve. Je dis pas qu'il est mauvais, mais je suis sûr que... Well, kind of a bit strange, but okay. Strange? The best bloody deal you're going to get, you little prick. En plus, le personnage parle plus vite que les que l'écran texte. Ah, ça y est, c'est bon, je suis game over, je peux partir. Allez. Bon, ça m'envoie au début niveau, d'accord. Donc on va se quitter là-dessus. C'était donc Conker Bastardé sur... Ah bah c'est même les choses qui sont mortels ici. Bon bah c'était Conker Bastardé sur... sur Nintendo 64, un jeu sorti en 2001 par Rare. Donc ouais, le jeu est pas mal, mais bon, faut aimer, hein, mais le problème, ce qui est vraiment énervant là-dedans, c'est les longueurs des cinématiques qu'on peut pas couper. Ça fatigue vraiment énormément. Enfin, moi, ça me gonfle. Donc on se quitte là-dessus, allez, c'est... Allez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Donc, c'était une vidéo qu'on m'avait proposé, donc j'ai relevé le défi. Donc, je vous mettrai dans la description le nom de la personne qui m'a imposé ce test. Donc on se quitte, allez bye, on se retrouve pour donc une joie à Game Boy là. Bon, je vais jouer à Game Boy, allez on se quitte là-dessus. On se retrouve donc pour la continuation de la rétrospective des films interactifs du Mega CD avec Fahrenheit pour la prochaine fois, allez bye.